Temps de glace, 1 sur 1, ok. Ah, ok. Chapitre 1, 53%. Chapitre 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chapitres. Attends, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, 14 chapitres. Yes. Et chaque chapitre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Forêt enchantée. We part ways, he and I. My instincts nous nous séparons, lui et moi. Mon instinct me dit qu'il est rempli d'un espoir qui le poussera de l'avant. Bien. Peut-être est-il élu, un guerrier au cœur pur qui peut nous délivrer du mal. Peut-être. Je me demande ce qu'il a ressenti lorsqu'il a vu sa bien-aimée. Là. A-t-il vu ses rêves ou bien son futur balayé comme les feuilles au vent? Je l'ai observé alors qu'il gagnait l'étendue place. C'est sous l'influence de Pan. Une forêt s'étend vers l'est, menant à la terre des lycans. Les ruines d'une ancienne civilisation oubliée et décrépite gisent ici. La nature qui récupère toute chose pour son compte a désormais repris ses droits dessus, alors qu'elle était jadis le fier témoignage de l'ingénierie de l'homme. Ok. Alors, on a... Alors, vous avez débloqué... Ok. Zobek. Si on en croit les chroniques de la confrérie, Zobek est l'un des leurs plus anciens chevaliers servants. La liste des faits héroïques qui lui sont attribués est aussi impressionnante que sa grande connaissance des arts de la guerre. Malgré son âge, il est capable de grands prodiges au combat. Son arme de prédilection est une simple épée longue qu'il manie avec talent. Il aime porter l'ancienne tenue de la confrérie de la lumière qui, selon ses dires, lui fut léguée par un de ses ancêtres fondateurs de l'ordre. Ok. Zobek, les monstres... Il y avait un truc... Non, attends, je voulais regarder un truc. Comment sert de la... la machin de soin, comment s'en sert? C'est où? Bah, je sais pas. Ok. Ok. Ah. Bonjour. Vous avez trouvé un parchemin, lisez-le. Ok. Mon compagnon d'armes s'est aventuré plus en avant, tandis que je me reposais ici pendant un moment. La chaleur du soleil est implacable, et mes blessures me tourmentent encore. Je lui ai donné ma gemme de vie, dans l'espoir qu'il trouve des provisions avant le coucher du soleil. Car nos réserves s'épuisent. C'est un brave type, fort et toujours parlant. Partons. Il a toutefois besoin d'apprendre la patience au combat s'il veut survivre. J'espère que je n'ai pas donné la gemme de vie pour rien. Ok, donc plus loin, il y a un chevalier avec une gemme de vie. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir quelque chose par là. Et au bout, il y a quelque chose. Ah ah! Cela requiert l'activation de la magie de l'ombre. Revenez quand vous aurez amélioré vos compétences. D'accord. Donc, notez. Près de la cascade, sous la cascade, il y a un machin. Il faut la magie de l'ombre. Ok. Alors, il y a un truc que j'ai dû rater. Ok. Ah oui, d'accord. Ça y est. Je vois le chemin. On a parcouru du chemin. Dégage, le lycan. Ah oui, c'est vrai, ici, ils aiment pas les dagues. Ce sont des orbes d'éléments neutres. Oui, et donc, vous pouvez les absorber grâce au maillon de la magie de la lumière que Zorbeck vous a donné. Maintenant, la touche du stick avec gauche enfoncée. Vous avez acquéri l'énergie neutre en... De la magie, appuyez sur la touche LB pour activer le pouvoir. L'attaque des ennemis quand la magie de lumière est activée permet de récupérer des V.
Toutefois, cela diminue votre compteur de magie de lumière. Ah oui, d'accord, ok. Les ennemis laissent tomber des orbes d'énergie neutre lorsque votre magie est activée. Vous ne pouvez obtenir des orbes d'énergie neutre qu'en tuant. Vous pouvez activer et désactiver. Ah, ok, j'ai compris. Alors, magie de lumière. Les attaques effectuées quand la magie de la lumière est activée restaurent vos points de vie au coût d'énergie de la magie de la lumière. LB, appuyez pour activer et désactiver le pouvoir de la magie de la lumière. Absorption de la magie. Maintenez la touche analogique gauche enfoncée pour récupérer les orbes neutres environnants dans votre conteneur de magie de lumière. Je crois comprendre. En fait, d'un côté, on aura la magie de la lumière, de l'autre côté, on aura la magie de l'ombre. Flash de lumière. Quand la magie de lumière est activée, un blocage synchronisé crée un flash de lumière magique aveuglant les ennemis à proximité. La première attaque exécutée contre un ennemi aveugle infligera des dégâts supplémentaires, mais en annulera l'effet. C'est quoi ? Croix sacrée ? Quand la magie de la lumière est activée, ce combo crée un incendie aveuglant d'énergie de lumière grâce à votre croix de combat. Cet éclat peut éblouir et infliger des dégâts à l'ennemi pris dans son faisceau, mais vous restez cloué sur place en l'utilisant, alors choisissez bien votre ennemi. Ah oui, en gros, c'est je mets ma croix devant, elle fait de la lumière, mais je peux pas bouger tant que la lumière est active. Ok. Ok. Ah, objet. Oui, voilà. D'accord, je comprends. Il doit avoir aussi 5 pastilles de lumière pour l'augmenter. Ok, alors attends. Je suis arrivé de là. Je suis passé là. Là. Je suppose qu'il faut descendre. C'est ça ? Ok. Ah, ceci est une statue d'éléments neutres. Servez-vous pour restaurer le niveau de magie. Ok. Ok. Je comprends. La magie neutre permet de me soigner et tout et tout. Ah, je peux pas avancer. Donc, cinématique, boss. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je vois 2 barres de vie. Donc, 4 barres de vie. GG, je me suis mis full vie. Ok, j'ai cassé des trucs moi, je casse tout. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle de tout casser, mais... J'ai récupéré des dagues déjà. Ok. Ok, j'ai récupéré de la... Ah ! Je veux pas t'aider, ça ! Ah oui. Ok. J'étais en train de me dire, j'ai dû rater quelque chose.
Ok. Ah, un soldat. Un parchemin, ok. Dieu nous punit pour nos fautes. Le monde est un chaos et le monde est un chaos et nous allons tous mourir sous peu. Pris au piège dans les limbes entre le paradis et la terre, sans aucune chance de rédemption et nul échappatoire. Je suis gravement touché et les lycans peuvent sentir le sang. Ils sont à mes trousses. Ma mort est imminente. Seigneur, pardonnez-moi. Le cardinal Volpe nous conduit tous à la mort. Et pourquoi faire ? Mes compagnons d'armes et moi gisons blessés et perdus sur le bas-côté. Qu'il soit maudit, lui et sa quête futile. Les anciens et lui devraient souffrir pour leurs péchés. Ok, donc il est en train de dire que peut-être que la quête qu'il est en train d'accomplir n'est pas forcément une bonne quête. Attends. J'ai compris qu'il veut que je défonce le portail. Enfin, le truc. Mais là, il y a quoi ? Ok. Je regarde. Hein. Ça ressemble à l'autre chemin, en fait, ça. Ah, un fragment de magie de lumière. Yes. Ok. J'ai trouvé des dagues. Et ça, je suppose que c'est l'autre chemin qu'on avait de l'autre côté, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, d'un côté, on avait un fragment de vie, de l'autre côté, un fragment de magie. Ok. Parce que j'allais dire... Attends. Comment je monte ? Ah, peut-être par là, non ? Ah, il semblerait qu'on peut-être on peut pas passer là en fait. Ah si, là. Ok. Donc en fait, les deux chemins sont utiles. Ok, il y a... Je comprends, il y a des poignards dans les statues, donc... C'est quand je manque de poignards, je casse des statues. Ok. Ça, j'ai compris. Ok, rebosse ou pas rebosse ? Parchemin de concentration obtenu. Concentration combat. La concentration au combat est une ancienne technique héritée de la confrérie de la lumière. Bien concentré, un guerrier compétent peut extraire des orbes d'énergie neutre de ses ennemis à chaque coup réussi. Emploi. La jauge de concentration au combat se remplit quand vous vous battez bien. Utilisez des attaques diverses et évitez d'être touché. Le manque de combat diminue lentement la jauge. L'utilisation de la magie permet également... Mais également en pose la jauge de concentration au combat. Ah oui, en gros, c'est une genre de rage, quoi. Une jauge de rage. La barre de concentration affiche en bas de l'écran au cours d'un combat. Allume toutes les runes en frappant les ennemis et en évitant les coups. Alors, éviter les coups, ça, je suis pas sûr de savoir. Ouh.
Ah, c'est juste facile. C'est ça. Maintenant, restez concentrés. Restez concentrés et les ennemis laisseront tomber des orbes d'énergie neutre à chaque coup porté. Cela vous permet de maintenir vos réserves de magie pendant un combat ou jusqu'à que vous perdiez votre concentration. Ok. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, j'ai pas pu me soigner. Ok, je comprends. Vous devez trouver un moyen de faire sauter cette barrière. Attends, on va faire un truc. Donnez-moi de la vie. Ok. On fait ça et... Non, donne-moi de la vie, je te dis. Mais on va arrêter leur connerie. Mais j'arrive pas à gagner de la vie sur ces mobs de merde. Non mais sérieux le jeu quoi. Oui, j'ai compris, il faut péter la barrière. Mais moi, je veux gagner de la vie, en fait. C'est ça que tu comprends pas, le jeu. Ah, voilà, j'ai un peu plus de magie.
Ça commence à me saouler parce qu'il va pas mourir. Non mais... Ah. Ok. Mais la magie. Ok, un parchemin. Le grand Décu était autrefois l'arbre le plus grand et le plus beau de la forêt. Il était si grand que l'on pouvait apercevoir sa canopée des kilomètres à la ronde. Certains croyaient même qu'il était vivant et que son pouvoir magique protégeait la forêt des attaques des créatures noires. Je ne sais pas si les légendes disent vrai, mais la vérité est que les seigneurs noirs, peut-être en voyant en cet arbre un symbole de vie, lui ont jeté un sort encore actif sous sa souche morte. Ok. Là, voilà. Yeah, page des compétences. Je vais pouvoir acheter la compétence que je voulais. Perce sol. Alors. En l'air. Appuyez une seconde fois sur croix et assurez-vous de maintenir la touche vers le bas en atterrissant. Puis appuyez une dernière fois sur croix pour lancer. Ouais, en fait, c'est peut-être chiant en fait. Attends, je vais peut-être faire la saisie aérienne. Et l'autre, coup de poing vers le bas, c'est quoi? Si vous êtes en vol avec un ennemi, appuyez sur RT pour l'envoyer au sol. Yes? Je prends. Chaîne tournoyante, c'est quoi? En l'air, maintenez X. Ok, on prend. L'amélioration, ça fait quoi? En l'air, maintenez X. Ok. Elle sera plus puissante. Un coup de pied volant. Si on a à gripper, on peut... Ouais, le foutre un coup de pied en tête. Ah bah ouais, non mais attends, c'est bon. Poursuivre la quête.